Alors, j'avais bien préparé un discours, mais la première phrase, c'était « Mesdames et messieurs les élus, je suis content, vraiment content d'être avec vous, toute la famille, pour inaugurer une heure commune. » Et je voulais remercier, moi, les autres financeurs, l'agglomération, le conseil général, la région et l'État. Alors moi, je tends la main, mais c'est une main cloutée qui me la prend. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je n'avais pas prévu de faire le discours que je vais faire. Bon. Tout le monde a beaucoup de facondes ici, parle sans notes. Même vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez les dossiers, les sujets, vous êtes à l'aise. D'abord, naturellement à l'aise. On connaît la faconde des gens du Languedoc, la tradition oratoire. Puis en plus, vous connaissez bien les dossiers. Donc, vous connaissez tout ça par cœur. Tandis que moi, rien ne pourrait préparer un discours. Je suis obligé de regarder les cartes, parce que les rues, je ne connais pas. Donc, ça me demande beaucoup de temps. Mais malgré tout, malgré le travail, je suis moins à l'aise que vous. Alors, ce qui me frappe, bon, on m'avait prévenu avant de mon arrivée, c'est cette détestation de l'État ici. Alors, dans toute la France, il y a des sentiments ambivalents vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que les Français veulent tellement de l'État, qu'ils attendent tellement de l'État, qu'ils n'ont jamais assez. Donc à la fois, ils l'aiment, ils en ont besoin, ils sont critiques quand on l'érode, quand on diminue sa superficie, mais à la fois, ils le critiquent tout le temps. Et je trouve ça particulièrement injuste. Moi, je suis un serviteur de l'État. Je ne veux en aucun cas que l'humiliation personnelle qu'on m'inflige ne retarde l'avancement des dossiers, comme celui-ci. Parce qu'ici, il y a quand même un grand contraste entre les discours et le travail en commun qu'on inaugure tous les jours. Hier, on était à Lunel. Il y avait aussi un travail en commun pour un dossier très important pour préserver les habitants de Lunel. Moi, je ne fais aucune polémique. Je vais sous-réagir. Hein, mais je ne peux quand même pas laisser humilier l'État. Bon, on attend tous. Moi aussi, j'attends la décision du ministre Borloo sur cette solution technique de ce que vous avez appelé, de ce qui a été appelé, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une belle appellation, mais je la reprends pour me faire comprendre, le doublement de la neuf. Bon, mais moi aussi j'appelle. Alors on me dit, mais attends, il faut peser les avantages, on envoie des équipes, prendre des photos, refaire des études. Moi aussi j'appelle en disant, faut vous décider vite. Faut vous décider très vite, les élus sont impatients, mais surtout la population, elle attend. Alors je vous promets, je vais faire remonter encore plus. Je vais appeler ceux que vous appelez aussi les mêmes personnes parallèlement, les hauts fonctionnaires qui ont servi dans le département. Bon.